Bah, moi, c'est faux, toi. Et puis, on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Quoi qu'il en soit, ça peut faire mal. On s'arrête. Aucun round d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Oui, ça pose de grosses bases pour la suite du match. Franchement, ça promet. Un geste parfait, l'équilibre, la précision, c'est beau. Je croyais qu'il allait d'abord la mortier éjaculaire. Sphère de l'été, vous avez regardé le calendrier des matchs et que vous avez hâte que le championnat de France reprenne. En tout cas, je peux vous dire que les supporters aujourd'hui qui sont présents, eux, ils sont prêts. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Les compositions s'affichent à l'écran, mais comme c'est la première journée, j'en profite. Alors, est-ce que vous avez un pronostic pour cette saison? Oula, vaste question. Vous savez, on dit que le championnat de France est le plus compact d'Europe. Il y a toujours une concurrence dingue pour le titre, le podium, les places européennes, la relégation remis à zéro. Tout est possible. Bien, toujours pas de vainqueur, on va avoir droit à la... Oh, voilà! Bonne frappe et la série qui commence bien. Regardez la facilité, c'est tout easy. D'un match amical, mais vu l'affiche, l'engagement va être de tous les instants. C'est certain, même quand il n'y a pas d'enjeu. Raphaël là-haut! Quand même, et marqué à cette distance, ça reste rare. Il continue. Oui, très bonne anticipation. Il essaye de faire la différence côté gauche. Il frappe. Raphaël là-haut. Fabuleux ce but de l'AC Milan. Il n'a pas tremblé. Formidable. On l'aura attendu, cette ouverture du score. La voici enfin. Une longue frappe qui finit au fond. Je crois qu'il a mis de l'effet. Le gardien avait l'air complètement perdu. En tout cas... Entre. Juste au retour des vestiaires pour bien débuter cette seconde période. Quelle erreur, et ça coûte cher. Eh oui, une seconde d'inattention peut parfois coûter très très cher. La frappe. Oh, le ballon renvoyé par le poteau. C'est... Raphaël Léao. Oh, la tête. Fabuleux ce but de l'AC Milan. Il repasse devant. Coup de tête impeccable, on a senti toute sa confiance. Le service était parfait, il n'avait plus que la pousser au fond. Ils auraient pu tuer le match là. Oh là là, c'était chaud. Avec deux buts de retard, ça aurait été... Et il rate le cadre. Il joue bien le coup là, ça prouve une nouvelle fois qu'une passe millimétrée peut transpercer n'importe quelle défense. The goal scorer for Inter, number 10, Lautaro Martinez. Caviar. Oh, l'occasion. Oh, c'est dedans. Et ça fait toute la différence. Sûr aussi qu'on a vu de très belles choses en attaque. Elle est importante, cette victoire. Alors, que retenir de cette rencontre, Darren? Ils avaient affiché leurs ambitions dès le départ. Ils ont abordé ce match. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Quoi qu'il en soit, ça peut faire mal. On s'arrête. Aucun round d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Oui, ça pose de grosses bases pour la suite du match. Franchement, ça promet. Un geste parfait, l'équilibre, la précision, c'est beau. Je croyais qu'il allait d'abord la mortier, jamais tort. C'est spectaculaire. Quelle erreur, et ça coûte cher. Bon, je pense qu'il a un peu de réussite là, mais c'est aussi grâce à son pressing haut qu'il récupère ce ballon. The goal scorer for Spain, after
Il s'apprête à frapper son tir au but. Il marque lui aussi. Un partout. Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Il tente de la jouer dans l'espace. Bien servi. Mbappé. La frappe. Oh, la frappe monstrueuse. Un moment de pure inspiration. Yes, 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 yes. Le ballon dans la profondeur. C'est bien donné. C'est un bon, ça peut faire mal. C'est fabuleux. Quel but d'Arsenal. Voilà la situation complètement inversée. Quelle transition formidable. Dès qu'ils ont récupéré le ballon, c'est vraiment allé très vite. Bravo. Complètement renversé la vapeur, c'était magnifique à vivre. Bien récupéré sur ce duel. Non, ça manque d'application. C'est joué dans la profondeur. Il peut frapper. Oh, oh, le but de l'Olympique de Marseille. Hallucinant. Voilà une contre-attaque by the book, comme on dit. Il passe pas assez appuyé. Il surgit, il va au bout. Magnifique. Fort dans cette saison, ça confirme leur bonne prestation lors des matchs de préparation. Ils peuvent aller très loin, vraiment. Neymar, qui a été élu homme du match, mais vu sa prestation, c'est tout sauf une surprise. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Fait la force entre les mastodontes, leurs poursuivants et les équipes libres de pratiquer un jeu offensif sans pression des résultats. On va se régaler. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. On apprécie le football espagnol pour sa dimension technique, mais aussi pour sa passion. Oui, Grégoire, c'est vrai qu'avec ses stades magnifiques et ses fans incroyables, on ne s'ennuie jamais ici. Alors, c'est vrai que les clubs madrilènes et barcelonais monopolisent un peu le titre, mais attention aux Andalous.